Bonjour, coucou, comment allez-vous? Comment vas-tu? Eh bien, me voilà enfin pour parler un peu sur quoi je travaille, parce que je n'ai pas été très présente sur les réseaux sociaux et c'est parce que je travaille comme dingue. Il est fini mon mini-cours que tu peux gratuit ou que tu peux recevoir chez toi via email. Et ce mini-cours, qu'est-ce qu'on va y faire? Dans ce mini-cours, je t'apprends comment gérer tes énergies, comment faire en sorte de préserver tes énergies, faire une recherche d'énergie et comment rentrer dans ta brillance, comment te connecter à la puissance du féminin sacré. C'est un cours magique, un cours vraiment facile à mettre en œuvre, mais je peux te garantir qu'il va changer ta vie. La deuxième chose qui est magnifique et que tu reçois avec ce cours, tu reçois aussi une checklist, tu reçois ça sous forme de vidéo ici où on fait des exercices ensemble. Donc, c'est vraiment très concret, très pratique. Et l'accès à mon cours, à mon groupe Facebook, le groupe des porteuses de lumière. C'est un magnifique groupe Facebook qui existe déjà, dans lequel tu vas pouvoir mettre en place et partager ton expérience avec ce mini-cours que je t'invite vraiment à découvrir. Voilà, si tu n'as pas encore travaillé avec moi, ça c'est l'occasion de regarder qu'est-ce que je fais, comment je le fais, parce que je sais que c'est une manière totalement unique que j'ai de travailler avec les femmes et ça porte toujours ses fruits. L'autre chose que je suis en train de préparer, c'est que je vais lancer un challenge vers la fin du mois. Je ne dis pas encore exactement la date, mais dès que tu t'inscris à ce mini-cours, tu vas être dans ma mailing list aussi. Et donc, tu ne vas pas pouvoir rater cette information si jamais tu n'es pas tout le temps présent ici sur ma page Facebook ou YouTube, n'importe où tu me vois ici. Et donc, ce challenge va avoir comme but la chose suivante. Comment on va dire ça? On va travailler au niveau tout à fait physique et mental pour purifier, nettoyer, détox, si tu veux, le corps et le mental d'une manière à préparer le terrain pour pouvoir vraiment travailler sur cette force intérieure, sur ce féminin, cette puissance-là que toi, tu veux avoir dans ta vie. Et au niveau physique, je pense que ça, c'est le niveau le plus simple à mettre des petites choses chaque jour en œuvre. Des petites choses que moi, je fais depuis des années et que je me rends compte que beaucoup de gens ne connaissent pas encore ça. Donc, ce challenge, je vais bientôt vous en dire beaucoup plus. Challenge de 21 jours, un challenge magique de 21 jours que je suis très 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 heureuse de te présenter et j'espère que tu vas t'inscrire. Ça aussi, ce sera gratuit, donc tu n'as aucune excuse pour ne pas le faire. Et l'autre chose qui est aussi en préparation, et là on a fixé une date, on cherche encore une salle. Donc si vous trouvez une magnifique salle à Bruxelles, le jeudi après-midi, le 27 février, va y avoir un shooting photo et on va faire un film. Un film sur mon cours du féminin sacré. Parce que voilà, je peux en parler, tu n'as jamais fait ce film, ce cours peut-être, tu n'as jamais été à un de mes stages ou des retraites. Et donc, je crois qu'un film, il est temps que je fasse un film. Donc, j'ai trouvé magnifique personne pour faire ce film. J'ai une photographe, ça se passe le jeudi 27 février. Il y a en tout 10 ou 12, on n'a encore pas décidé, femmes qui vont pouvoir postuler en fait pour pouvoir être dans ce film et faire tout ce processus avec nous. Donc, ça va se passer l'après-midi. Je pense qu'on aura besoin de 2 à 3 heures où tu vas recevoir l'enseignement de ce féminin sacré et aussi quelques mouvements. Enfin, de toute façon, ils sont toujours dedans de danse orientale. Je travaille aussi ensemble avec ma copine Nadège, qui travaille spécifiquement pour les mamans, pour les connecter au féminin sacré. Donc, on a ce projet ensemble. Ça va être fun. Donc, si tu me connais et que tu ne connais pas encore Nadège, je pense que ce sera méga intéressant de la découvrir, savoir comment elle fait les choses. Et ça, avec tout ça, on va faire un film. Donc, tu peux postuler si tu as envie,
de participer à ce projet. Et tu peux postuler, tu peux mettre ça dans le commentaire. Donc, comme tu vois, je ne suis pas encore prête avec un formulaire et tous ces trucs. La technique, c'est quelque chose avec laquelle je suis trop perfectionniste. Moi, je veux que ce soit tout magnifique, que tu as une page où tu peux lire pendant des kilomètres. Et en attendant, au lieu de te donner l'information, parfois tu la reçois 2 semaines après parce que moi, je suis toujours encore avec mon ordinateur en train de me battre avec la technique. Donc voilà, l'information, elle est sortie. Toi, tu as cette information. Tu peux donc postuler en mettant un commentaire ici en dessous pour faire partie de ce projet de faire un film et des photos dans le domaine du féminin sacré sur ce sujet-là. Aussi, de recevoir ce cours, ce mini-cours sur la puissance du féminin sacré et les 3 gestes pour rentrer dans ta brillance et savoir nourrir et nettoyer tes énergies. Et alors, à ce moment-là, le challenge qui va commencer en principe le 26 février. Et puis, il y a bien sûr d'autres projets, mais ça, on n'a pas besoin de tout mettre dans un melting pot. Jusqu'à fin mars, j'ai planifié cela et tu peux faire partie de cela. Et puis, voilà, j'ai mon téléphone qui sonne, voilà, quand on fait des Facebook Live. Ben, c'est le signe comme quoi il faut que je m'arrête. Ok, bien. Alors, merci beaucoup et on se voit bientôt. Bye bye.